Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes différentes préparations du gel d'aloe vera. C'est parti, on y va! Pour commencer notre préparation de gel d'aloe vera, il va nous falloir une belle feuille bien mûre, bien âgée d'aloe vera. Voilà, il est conseillé de la consommer sans modération d'aloe vera. Il faut user et abuser de l'aloe vera au quotidien. Et bien, c'est ce qu'on va faire dans la démonstration. Il faut faire très attention au bord, là, aux épines, parce que c'est hyper tranchant. Donc, franchement, vous faites facilement mal avec cette branche, cette feuille d'aloe vera. Il faut faire attention aux épines, donc. Je vais laver ma feuille d'aloe vera proprement. Et puis voilà, je vais la couper en morceaux et retirer le côté épineux de la feuille. Cette feuille, je l'ai achetée en magasin bio. Le kilo, il était à 5,90 €. Donc, ça m'a coûté pour à peu près 3 €. Je ne sais plus combien, un peu plus de 3 €. Donc voilà, je vais couper des morceaux assez conséquents. Là, je tombe sur une feuille qui a une maturité de 4 ans. Donc, elle a bien mûri. On va enlever tous les bords tout en faisant attention, bien sûr. J'ai remarqué que sur les plus jeunes feuilles d'aloe vera, on remarque facilement la substance jaune seulement à retirer la peau. Mais là, ce n'est pas le cas, certainement parce qu'elle est mature, cette feuille. Ça n'empêche qu'il faut la traiter avant de l'utiliser. Donc, pour ceci, je vais tremper mes morceaux d'aloe vera dans de l'eau. Et puis, je vais laisser poser pendant 24 heures. Et entre-temps, je vais changer mon eau toutes les 2 à 3 heures. Alors, passé 24 heures, vous voyez bien la différence. L'eau, elle a foncé, voilà. Donc, j'estime que l'aloïne, qui est la substance toxique, a dégorgé de notre feuille d'aloe vera. Maintenant, elle est propre à l'utilisation. Voilà, les morceaux ont été dépourvus de leur sève toxique. Je vais relaver les morceaux d'aloe vera. Maintenant, on va passer à l'extraction du gel d'aloe vera et puis on va les râper immédiatement. Je vous conseille d'utiliser une râpe, une mandoline. Je vous déconseille le mixeur pour garder le côté visqueux, le côté gélatineux de notre aloe vera. Pour cela, on va enlever. Il faut vraiment faire attention. Le mieux, c'est vraiment d'enlever uniquement une partie pour pouvoir râper facilement. Si vous enlevez les deux parties, ce sera presque impossible. Vous pouvez le faire, mais ce sera très dangereux pour vous. Et ce sera facile, voilà, de se blesser. Donc, c'est mieux de garder, de conserver la partie supérieure et de râper tranquillement pour obtenir un gel aussi visqueux. C'est épais, c'est gélatineux, voilà, ça donne tout simplement envie d'utiliser à l'instant. Bon, ben écoutez, voilà la quantité que j'ai recueillie pour ce morceau seulement, c'est ultra suffisant, c'est beaucoup, voilà. Je vais le filtrer avec mon pied de collant, mon pied de bas, voilà. Fait maison, c'est l'idéal. Voilà, c'est pas beau tout ceci. Maintenant, on va mettre ça dans un flacon avec une fermeture à clapet adaptée pour l'utilisation du gel d'aloe vera. Celui-ci, je ne vais pas mettre de conservateur, tout simplement parce que je vais l'utiliser dans l'immédiat. Je préfère ne plus mettre de conservateur dans mes gels d'aloe vera et les utiliser au besoin. Là, vous le verrez dans la suite. Donc, le gel d'aloe vera, je l'utilise pour le visage, le corps et les cheveux, bien entendu. Et ça hydrate super bien ma peau également. Je vous passe tous les bienfaits de cette merveille, tellement ils sont innombrables. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne le gel d'aloe vera quand vous le mixez. Regardez, il devient tout liquide. Et puis, la couleur, elle est rosée parce que définitivement, oui, il ne faut pas se le cacher. C'est bien le conservateur Cosgar qui apporte cette couleur rosée. Sauf qu'elle s'estompe à la longue. Donc, après avoir mixé, de toute façon, quand vous mixez votre gel d'aloe vera, 2 jours après, il devient liquide. Donc, si vous voulez éviter ce phénomène liquide, c'est mieux de râper votre gel d'aloe vera. Voilà. Et qu'est-ce que je fais du reste des morceaux? Ben écoutez, tout simplement, je vais les mettre dans une poche congélation et puis je les mets au congélo, voilà. Et puis le jour où j'en ai besoin, comme là, je crois que c'est 2 jours ou 3 jours après, je ressors mon morceau d'aloe vera, celui que je vais râper et je le laisse 24 heures, le temps qu'il se décongèle. Et voilà, vous pouvez constater que la couleur, elle est un peu plus foncée. C'est normal, c'est parce qu'il a séjourné au congélateur. Mais vous inquiétez pas, la viscosité reste la même, les effets restent les mêmes. Donc pareil, je vais le râper. Et puis voilà, je vous montre la différence. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence entre le jour où je l'ai fait frais
Et le jour où je l'ai décongelé, donc c'est ce que je vous conseille si vous voulez utiliser votre gel d'aloe vera pur, c'est mieux de le faire congeler, voilà, et d'utiliser au besoin. Par ailleurs, j'avais acheté une autre feuille d'aloe vera. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une partie et le reste de ma feuille d'aloe vera, je l'ai recouverte d'un papier film et puis je l'ai laissée dans un endroit sec et humide. Trois à quatre jours après, il ressort comme ceci. En fait, le gel, la capacité du gel à avoir de l'eau commence à s'estomper. Vous remarquez, le bout s'assèche un peu. Voilà, donc le mieux, c'est de le garder définitivement au congélateur si vous voulez conserver ses propriétés. Donc, on va enlever la partie qui commençait à sécher. Et la deuxième possibilité, c'est qu'il faudrait donc enlever la peau de toute la feuille, la partie supérieure et la partie inférieure. Et ce morceau, vous le mettez également au congélateur. Et le jour de l'utilisation, si vous êtes fan de mixeur, vous prenez tout simplement ce morceau, vous le mixez immédiatement, vous filtrez et puis vous l'utilisez. Mais il est hors de question d'utiliser l'eau mixeur pour conserver votre gel d'aloe vera pendant longtemps. Ce ne sera pas possible, votre gel va se liquéfier. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces sur l'utilisation du gel d'aloe vera vous auront été utiles. Il fallait que je fasse cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de membres de mon groupe L'Univers Napi, mon charmant univers Napi, qui posaient beaucoup de questions par rapport à l'utilisation, à la conservation du gel d'aloe vera. J'espère donc à travers cette vidéo, j'ai réussi à vous répondre. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous.